Alors moi je triche pas, je compte les cartes, je suis professionnel. Dans quelques secondes, mon père va entamer une petite danse de la joie. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce vendredi, méga jackpot Euromillions de 130 millions d'euros. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente ou sur l'appli FDJ. Cofidis présente préjugé numéro 8. Les papis roulent toujours à deux à l'heure. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. N'attendez pas. Vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'un taux exceptionnel de 2,8% sur 48 mois. Appelez Cofidis au 3155. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Vous voulez tous un monde plus juste. Vous voulez tous un monde moins cher. Et vous voulez tous un monde plus proche. Bon, vous voulez tous un monde nickel, quoi. Alors c'est simple, il suffit d'entrer chez un buraliste. On est déjà 2 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte. Nickel, un compte, une carte, un RIB en 5 minutes. Rejoignez le mouvement. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Lui, eux et lui, et cette reine de la glisse, pour Fanta, ce sont eux qui colorent le monde. Nous avons besoin de plus de gens comme eux pour que le monde soit un peu moins gris. Bonjour. Bonjour. Je peux vous conseiller ? C'est pour construire une petite bibliothèque. Alors, mon conseil, c'est des pierres réglables avec une plinthe amovible en bas. Avec des chevets expansion parce que c'est du placo. Du 4-33, pommelle et tourillon de 12. Ça va m'occuper parce que là, en ce moment, c'est pas ouf avec ma copine. Là, je peux pas trop vous conseiller, mais pour les étagères, je vous conseille vraiment... Les crémaillères, encastrées dans les montants. Ouais, vous avez raison. Sérieux, j'aimerais bien réussir juste un truc.